8e édition du Tour de France. Ben, je crois que Gérard Magnon est toujours en tête. Oui. C'est bien cela. Oui, oui, tout à fait, Robert, tout à fait. Nous sommes actuellement à côté de Gérard Magnon. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Un peu trompé, pardon. Dans quelques secondes, nous connaîtrons donc le vainqueur de l'étape du jour qui va être le plus rapide. Sur un groupe parti en chasse patate. Effectivement, Patrick, comme à leur habitude, il y a toujours quatre hommes qui se sont extirpés à l'instant du peloton et qui vont essayer de rejoindre les sœurs Longo qui sont partis depuis maintenant bientôt quelques minutes. Alors je vais sortir le chronomètre et je vais aller voir si les chasse patates arrivent et se pointent. Ah, je les vois, ils arrivent à l'horizon, mon petit Patrick. Ils ont la tête dans le guidon et ils tirent du gros braquet. Peut-être un problème technique pour le dossard numéro 7, Guillaume Traîneur. Dossard numéro 7, Guillaume Traîneur, le grand vainqueur du Critérium du Maroilles en 1982. On peut l'applaudir bien fort, le dossard numéro 7, Guillaume Traîneur. Le fidèle coéquipier, le coéquipier idéal qui rythme toujours avec un rythme d'enfer, ce groupe en chasse patate. Attention mon petit Patrick, je vois apparaître le dossard numéro 9, Eric Vendeur de Poule, le roi de la balustrade qui est dans la roue de Guillaume Traîneur. Et oui mon petit Jean-Paul, Eric Vendeur de Poule, dossard numéro 9, l'arrière petit cousin de Mathieu Vendeur de Poule et un peu plus loin que ça de Raymond Poulidor. Mais juste derrière lui, oh, mon petit Jean-Paul, le grappeur, le dossard 109. Oui, il pédale avec un rythme d'enfer, mon petit Patrick. Il bat le tempo avec son grand plateau, ce grimpeur espagnol, le dossard numéro 109, Jean-Bernard François, dossard 109, le lieutenant de Joaquim Agostino. Ça, c'est en début des années 80, mais le quatrième homme, le petit Jean-Paul, le quatrième homme. Mon petit Patrick, ce n'est pas une surprise. Il est toujours dans les bons coups. C'est le chéri de ces dames, le champion des champions. Les enfants l'adorent, les demoiselles aussi, qu'elles soient jeunes ou beaucoup moins jeunes. C'est le grégario du peloton, le chouchou de ces dames, le numéro 77, Laurent Mignon. 77, Laurent Mignon. Alors mon petit Jean-Paul, je pense que vous pouvez vous rapprocher avec le peloton pointé à 5 minutes 27. Alors le groupe parti en chasse patate, le peloton est là, il est bien compact. Le peloton est là, il est bien compact, il y a des relais qui se passent, tout le monde a le sourire, tout le monde est prêt à mettre du braquet et à pédaler avec une cadence folle, tout ça pour récupérer les sœurs Longo et le groupe en chasse patate. Eh bien mon petit Jean-Paul, on se retrouve à la buvette pour un premier point de course dans quelques minutes. Tout de suite mon petit Patrick, effectivement, j'ai la voix qui déraille, il est temps de s'abreuver. Patrick, à vous, Cognac G, à vous les studios. Comme je vous comprends, Jean-Paul. Thank you.
Ceux qui nous sont, en fait, finalement, prédécédés. Ceux qui étaient là avant nous, je veux bien sûr parler de nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-arrière-arrière-grands-mères, les arrière-arrière-arrière-grands-pères. Et ça, jusque au fin fond du début, du commencement de l'humanité. Il y a des petites musettes, vous allez voir, si vous arrivez à choper des trucs, n'hésitez pas, pour ceux qui ont des petites fringales, il y a plein de choses à manger. Nos pères et nos grands-pères t'ont connu bien avant la guerre. Ton nom a fait le tour du monde. Allez, venez tous dans la grande ronde. Son grand public.
Et vous allez tous me suivre, on va faire ce petit tour de piste, on va faire comme un peloton. Alors vous allez derrière moi, vous restez derrière moi, vous me suivez. Tout le monde suit derrière, tout le monde suit. Comme si on était un peloton, tout le monde doit suivre. Même vous, vous suivez, tout le monde suit. Allez, Tour de France. Allez, on y va. Le Tour de France. Et on va aller très très loin comme ça. Et le Tour de France. Allez, tout le monde suit. On fait un peloton géant derrière. Tour de France. Oui, génial. Le Tour de France. On doit entendre le Tour de France. Le Tour de France. Oui. Le Tour de France. Allez, la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs. Il n'y a pas les drapeaux. Les drapeaux, allez. Le Tour de France. Bravo. Le Tour de France. Bravo, on franchit la ligne d'arrivée. Bravo. Bravo à vous de nous avoir encouragés pendant cette course. Mesdames et messieurs, bravo, on lève les bras. Ouais. On lève les bras quand on franchit la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs. On y va, ouais, super. Merci de nous avoir encouragés, de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette course. Nous avons formé une superbe équipe tous ensemble. J'ai vu que tout le monde avait roulé en équipe, bien en peloton, bien derrière la roue les uns les autres. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de déchauffouré. Je vois que tout le monde a été cordial, sport. Tout le monde a joué sport et c'était super. Tour. Bravo, on peut lever les bras. Quand on passe à l'île d'arrivée, ouais, lève les yeux, on lève les bras, ouais, la ligne d'arrivée, wouh, bravo, bravo, super, génial, Tour de France, longue vie au Tour de France. Mesdames et messieurs, c'était spécialement pour vous, accompagné aujourd'hui des plus belles filles de ce peloton, Jeanne, Janine et Jeannette Longo, qu'on peut applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Nos deux commentateurs qu'on peut applaudir très fort, Jean-Paul Chen et Patrick Chapatte, qui nous ont fait des points de course tout au long de cette course. Alors là, on va juste baisser un petit peu le son, vous allez voir. Il y a un homme qu'on n'a pas présenté. Regardez, il se cache, il a un t-shirt Sédico. C'est notre Roger La Flèche International. Voilà. Il a balisé le terrain pour vous. Et il a plein de petites choses, vous voyez ici sur son stand, c'est des choses qui ont l'air magnifiques, mais ça a l'air génial, je sais pas ce que c'est. Allez jeter un œil, vous verrez, c'est super. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup, donc n'hésitez pas. Allez jeter un œil du côté de Roger La Flèche, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir très fort. Merci Roger pour toi d'avoir pu nous accompagner sur cette course. Alors sans oublier, à la guitare, l'homme qui joue sur 6 rayons, mesdames et messieurs. Le plus grand, le plus beau, Guillaume Trainer. On l'applaudit très fort. À sa gauche, à rouler, juste derrière lui, sur le côté, de devant sa roue, de derrière, celui qui joue sur 4 rayons, mesdames et messieurs, Eric Vendeur de Poule. Sans oublier, derrière, du devant de la roue du côté, Jean-Bernard François, mesdames et messieurs, le meilleur grimpeur de ces dames, Jean-Bernard François. C'était, on n'oublie pas non plus, Pierre Lalain qui a pu organiser cette journée magnifique. Derrière nous, il y aura les Liquidators, avec un accent américain, donc Liquidators. Ils viennent des États-Unis, d'Amérique, de l'île du Nord de la France, mesdames et messieurs. Un groupe internationalement connu dans le monde entier, The Liquidators. El vélo Solex, el vélo que anda solo.
Danseuse, on fuit sur nos bicous.
coureur. Merci à toi, mon OPEO!
Chauffer. Mais en fait, c'est pas très difficile, vous savez. C'est juste. Et elle voulait aller, rouler. J'ai chanté ou pas? De toute façon, j'ai pas à traiter mon micro. Je n'ai pas pu l'en empêcher, elle n'a pas pu me résister.
là, mon petit Patrick,